Bonjour à tous, c'est Blouchard, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Transport Fever et regardez-moi un peu tout ça. C'est pas beau. Les camions DHL, les camions Carrefour, Norbert d'Entresangle. On a du Perrier, on a du Intermarché, on a des camions 40 tonnes. Donc, on va s'en occuper de ça. Avant, je voulais venir ici parce que regardez, c'est vraiment trop. Il va falloir remplacer les trains de cette ligne. Donc on a des séries E94, alors remplacement. 29 millions de véhicules quand même, ça va être long de le remplacer. Oh mais c'est parce que j'ai mis deux locaux de plus, quel idiot. Je l'avais même pas vu. Ici ils ont quoi? Non ils ont pas deux locaux de plus, mais non, ça va. Donc du coup. Locomotive électrique. Alors t'as 363, je crois que t'es la plus grosse. 323, tu coûtes 7 millions. Coût de fonctionnement 1,21, 1,22, c'est la même. 1,25 et toi tu vas... Ouais. 15 millions, waouh. Ouais, ouais, ouais. Oh, celle-là, elle est exceptionnelle, celle-là. Celle-là aussi, elle est encore mieux. Je regarde les prix en même temps. Celle-ci, pour être une bonne alternative, elle est chère. Bon, on va rester sur celle-ci. Tac, alors marchandises par contre. J'aimerais bien avoir des wagons de plus grande capacité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors on est garde 320 mètres. On a la taille ou pas? Non. Je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va spécifier celui-là pour savoir où on en est. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17. Ah non, 324 mètres, mais ça va être bon. 17, bon. On reste. J'ai pas envie de refaire ça là, donc on va les laisser comme ça. 22 millions par véhicule. Alors, nouveau véhicule, mais on va remplacer. Alors, attends. Tac. On va te remplacer en premier vu que t'arrives. Ça gêne pas de mettre des planches, de toute façon il y a que des planches ici. T'as 14 millions, parfait. On va pouvoir remplacer le suivant. Qui est un peu loin en fait. Détail, remplacement, oui. Voilà. Ah ça y est, regardez, ça fonctionne. Donc du coup allons voir ici. On va avoir un train beaucoup plus gros, je pensais. Enfin, je pensais même sûr, il va faire la taille de la voie. Enfin, des quais. Parfait. Je pense qu'il peut se retourner. Donc ça nous fait une capacité de 221, c'est parfait. Alors, est-ce qu'il peut se retourner? Attends, c'est pas ça que je voulais voir, c'était ça. Yes. De toute façon, il n'a pas besoin de se retourner là, c'est de l'autre côté qu'il a besoin de se retourner. On va te garder à l'œil juste pour voir comment tu rapportes. Alors, de l'autre côté, j'espère que j'ai une voie en 320 mètres. Des quais, pardon. Ah, 240. À quel niveau tu changes? Ça va jamais passer. Alors, pause. Tac. On va faire un peu de travaux. On va être obligé. Parce qu'il nous faut agrandir cette gare, sinon on va jamais rentrer tout. Voilà, alors non. Toi, tu t'agrandis de suite, tu me fais du 320 mètres. On va te changer ta couleur. Voilà. Caténaire, oui, seconde liaison routière, non. Est-ce qu'on peut changer les voies tant qu'on y est? Ouais, 6. Au cas où on livre l'acier par train à terme. Donc les planches, va falloir revenir les gars. On va égaliser tout ça avant.
Hop, voilà. On va faire la même chose ici. Voilà. Alors, hop. Oh non. Mais non, j'ai égalisé là-haut. Comment ça pente trop raide? Tu déconnes, Roger? Du coup, vas-y pour choper la rate. Le rail ici. Courbure. Oh non. Mais non. Mais pourquoi? Tu sentais que ça allait être pénible ou pas? Encore courbure trop importante. Putain, ça passait tout à l'heure. On va faire tourner avant encore. Bon, on va partir dans l'autre sens. Elle est où ta collision? Mais tu vas jamais passer sous le pont. Si je fais ça, ça va être pire. Le train ne va jamais passer. Quoique, pas certain. Oh si, il peut passer là. Pas être juste, mais il peut passer, je pense. Donc du coup, on va te relier. Tac, ici. Alors, il n'y a pas de collision. Yes, on passe le pont. On va peut-être te pousser un peu encore, voilà. Voilà, impec. Tac. Non. Non plus. Eh ben c'est bien dommage. Alors cette voie, elle arrive comment? Elle arrive là, faut qu'elle reparte là. Ou alors je la fais arriver là et elle repart là. Non. Je la fais arriver là et elle repart là. On va changer le terminal si on te met le 1. Voilà. Donc les planches c'est bon. Là je pense que les 8 c'est... Ouais voilà. Donc ça y est, les planches on est bon. On regarde juste niveau feu si on est assez... Il en manquerait peut-être un ici. J'espère que ça avance toujours. Putain, il y en a encore un train de 221, il y a combien en stock encore? 700, putain. Ça aurait été le... La rengaine de ce let's play des machines outils. Bon, alors le fer maintenant. Le fer, ça va être plus simple. Enfin, fer et charbon d'ailleurs. Tac. Y a pas de croisement nécessaire. En tout cas, passe sur cette gare. Parce que là, ici, tu livres... Oui, non, c'est bon. Et du coup, ici, on va venir se connecter. Bon, bah, très bien. Reculons encore un peu. Tac. Il est reparti au dépôt, ce contre. Oh, putain, non. Non, non. Si je te coupe là, tu retournes au dépôt. T'es vraiment con, tu sais. Bon. Voilà. 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 Ici. Alors, tu arrives sur quel terminal? Tu arrives sur le premier, donc faut que tu repartes sur le deuxième. Là.
Voilà. Hop, hop, voilà. On avait assez vous des signaux. Oui, ça va. Ok, bon. Maintenant, on n'a plus qu'à relier le dépôt. Le dépôt. Et il est du bon côté, donc c'est nickel. Tac. Voilà. Usine chimique Saint-Dié, c'est où ça? C'est où toi? Usine chimique Saint-Dié, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est de l'autre côté de la map, ok. Pourquoi t'as besoin de livrer plus de marchandises? Qu'est-ce qu'on te livre pas assez là? Qu'est-ce qui ne va pas toi? Pied transporté, utilisation de ligne, non. Comment ça, non? Bah oui, t'as un train là qui vient de te livrer, qu'est-ce que tu m'embêtes? Ah, mais oui, je sais. Et non, même pas, il livre son pétrole. Ah, mais si! Si. Bon, on va emprunter là, juste le temps de le remplacer, parce que sinon la ligne va pas consommer, va pas produire. Voilà, ça suffira. Donc on a la Noab. J'ai pas mis de plastique en fait. Il livre son pétrole, mais il prend pas de plastique, du coup ça peut pas fonctionner. La Noab, marchandise. Tu prends du carburant, du pétrole raffiné. 1, 2, 3, 4. Et par contre, tu reviens avec du plastique, voilà. Remplacement immédiat, oui. Voilà, on rembourse. Ok. Donc du coup en fait on avait les sous. Vu que... Ouais, bizarre. Il a quel âge le véhicule? Un an, ah ouais, d'accord, on avait les sous. Bon, ça va repartir. Du coup, où en étions-nous? Là. Ah oui, on était en train de remplacer. Alors bon, on va certainement faire l'épisode là-dessus. Dès que j'ai assez, je remplace les planches. Alors, ouais, combien tu vas me rapporter? Ce que je voulais voir. Ça arrive petit à petit. Ça se vide. Comment ça en attente? Pourquoi tu vas pas jusque là, je t'ai mis des feux? Ah, c'est au niveau des quais, il devait y avoir un train sur l'autre quai. Et on regarde, ils sont sur le même quai, c'est ça. Donc du coup, attends, pause. Tu vas aller sur l'autre quai en fait. Trop raide, bon. Tu sais quoi, c'est pas grave. Voilà. Et tu vas pas sur ce quai, tu vas sur celui-ci. Allez, où cette ligne? Tu vas pas sur le quai 1, tu vas sur le quai 2. Voilà. Comme ça, t'attends un peu. Donc, combien tu rapportes? 1 million. Du coup toi tu dois avoir beaucoup moins de soucis. Pourquoi il me fait un croisement dégueulasse comme ça? J'attends trop là. Ouais, tu dois reproduire un peu plus j'imagine. Voilà. Bon, je pense que 2 trains de plus, c'était suffisant. Il est où en bois? Ah, les véhicules attendent trop, là, c'est pas bon, ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tac, 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 on va le faire comme ça. Pas une rue, une route.
Voilà. 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 Et donc, pour que la route soit connectée ici, l'usine, il va nous falloir une route. Collision, c'est une blague. En même temps, si tu faisais des routes droites, tu crois pas que ce serait bien? En même temps, je pense que si on va tout droit, on connecte quand même. Ouais. Ouais. Là, de toute façon, j'ai rien, on peut la détruire. Ok. Ah oui, non, j'allais dire prendre l'objet et marchandises. Ouais, donc ça va mieux. Les planches, ça va revenir en positif. Pourquoi il s'arrête? Y a rien, y a personne qui vient de là. Ouais, il s'arrête un peu moins quand même. Alors regardons au niveau des déficits, on a quoi? La Toulouse augmente. Mais c'est parce qu'on avait personne dessus, attends. Je vais regarder quand même, mais... 0 sur 144, mais c'est une blague. Qu'est-ce que j'ai mal fait sur cette ligne? Attends, je vais juste aussi voir au niveau des planches avant. Ouais, du coup au niveau des planches, ça va rebooster ici. Voilà, ça remonte. Même pas. Et prendre en charge plus de troncs d'armes, c'est ce qu'on fait. Non, c'est les machines outils qu'il faut améliorer, donc. Détail remplacement, 14 millions. Toi, tu vaux 8 millions, donc ça va, on peut mettre un gros véhicule. On a des trains de quoi, quel âge? Ouais, à peu près 8 millions, on va dire 8 millions. Donc on peut arriver à, allez, 20 millions pour un train. Et on va prendre celle-ci. Voilà, marchandises. Ah, mais on va en prendre beaucoup plus là, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, comme ça, on va le faire. Hop, remplacement, ça me coûte 9 millions. Tac. Non, j'aurais pas dû le fermer, je voulais le voir justement. Donc il va se remplacer avec, il avait une capacité de 120, 130, j'en ai mis 10 en fait. Le fer est plein, c'est parfait. Presque plein. On passe à 169. Il est même pas à fond en fait, hein, c'est 6400 le max. Hein. Situation de l'inouï. C'est à Toulouse qu'il doit y avoir énormément de marchandises en attente. C'est vrai, donc ce qu'on va faire, tac, nouveau véhicule, remplacement, marchandises, donc ouais, on a plein de véhicules. Sur la ligne noire de zone industrielle, il nous faudrait quelque chose d'industriel, Euro Express par exemple, ce serait pas mal. Ils prennent tout en plus, donc c'est nickel. Evian, Intermarché. Ou Norbert d'Entresang, allez hop. 40, ok. Si je veux tous. Oh, ben j'ai plus d'argent. Si je veux tous les remplacer, ça me coûterait 35 millions. Donc ce qu'on va faire, c'est un remplacement auto à 25%. Ils ont tous 2 ans, c'est parfait. Ils vont jamais se remplacer. bon, on va le laisser en auto à 25%. Ici, ici c'est la zone commerciale. Donc pour la zone commerciale, ça va être du Intermarché. Intermarché. Ou Carrefour même. Hop, Carrefour. Tac. Remplacement auto on. À 25%. Ah, eux, je peux peut-être tous les remplacer. Donc combien, 12 millions ? 15. Alors attends, est-ce que ça va passer? On est le 24 juin. Et 15 millions, s'il te plaît. 500 000 encore. Yes, c'est passé. On le remet en off. 100%, on va admirer nos petits véhicules.
Tac. Et en même temps, on va pouvoir voir un état du trafic. Je me disais aussi qu'il faudrait qu'on passe une autre aire de chargement, plus en périphérie de la ville, pour les commerces et les industries, histoire de mieux répartir les livraisons et pas tout envoyer au centre de tous les gens. Ça y est, 13 sur 96, c'est pas mal. Par contre, pourquoi t'es à 0 quoi? Bon, on va en trajet avec lui. Un petit coq signal. Ouais, c'est pas génial que les camions et bus prennent, ils se doublent pas quoi, puissent pas passer à gauche en fait. On la voit ici. Un peu de trafic, mais ça va, ça avance quand même. Ici, il est toujours cool. Je parle du train de marchandises. Les camions de la zone industrielle. Et du coup, 70 km par c'est quand même bien la ville. À droite. Il repasse le pont, il retourne chercher les marchandises à l'air de chargement. En espérant que. Là, on va s'arrêter. En espérant qu'il y ait quelque chose à récupérer, mais il n'y en a pas. C'est ici qu'il y en a beaucoup en fait. Est-ce qu'il y a des véhicules qui sont placés ici? Non. Donc du coup ici on va pouvoir envoyer des véhicules. Toi on va te mettre sur cette ligne. On va te mettre sur cette ligne. Pour l'instant il n'y a rien les gars. Donc, changement de plan. Changement de plan de route même. Attends, pause. Toi, je pense que j'ai l'argent pour te remplacer. Ouais, tac. Voilà. Toi, t'es chargé, c'est trop tard. Qui est-ce qui arrive? Ouais, toi, on va te remplacer. Oui. Voilà, du coup, 40, parfait. Ça va rebooster les productions de partout là, les outils machines ça se passe comment? Ça produit à mort. Les planches en train de repartir, ouais, parce que de toute façon on peut pas livrer plus de bois parce qu'on livre déjà quoique. On a combien en attente? T'en as 140 déjà et toi t'en prends 195, donc c'est bon, on a un peu une bonne fréquence sur le bois. Sur les planches. Il va falloir produire un peu plus ma cocotte. Et tu descends parce que ici il doit manquer de l'acier. Même pas. Non, même pas, toi bien. Parce que je livre pas assez de machines d'outils en fait. Hein. Tout simplement. Donc toi tu vaux 8 millions. Donc il va falloir avoir 10 millions. Dès que j'ai 10 millions, je le remplace. Millions. Allez, 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 allez. Avant la fin du mois, s'il te plaît.
tac, voilà. On va faire pareil pour toi, parce que de toute façon ça produit à mort. Toujours les planches qui ont galère. Putain, on les voit arriver les planches là. Mais ouais, il n'y en a pas assez en fait. Je serais jamais arrivé à faire un équilibre correct sur machine-outil, enfin, la production de machine-outil. Ça y est, il n'y a plus de planches. Ça manque de fréquence sur les planches. L'acier, t'as combien? L'acier, c'est en flux tendu, il n'y a pas de problème. Et les planches, ouais, ouais, mais regarde, ça arrive les planches. Hein. Je peux pas faire. Enfin, si, je pourrais, mais. C'est un peu compliqué, j'arrive pas à trouver l'équilibre. Ça y est, elle est partie cette ligne à 14. Donc du coup, toi, on va te remplacer. Non, on arrive au fin du mois. On va regarder ici. Ici, les camions, du coup, ça va bien. Ça va tout rebooster en fait, que les camions puissent bien plus livrer. Ici, Carquefou 370, mais Toulouse augmente bien. Toi, tu dois être au max. Ouais. Et donc, on va regarder vite fait avant de se quitter. Les habitants de Toulouse, 2300, ça monte gentiment. On est toujours aussi bon sur les. Sur les offres de travail, l'offre commerciale. C'est par contre au niveau des passagers qu'il va peut-être falloir faire quelque chose. Et on a toujours ces embouteillages incessants qui me fatiguent et que je n'arrive pas à résoudre. Attendez, 10 millions 4. On va renvoyer un train de machine-outil. Toi, t'as quel âge? 69, mince. Le suivant qui va arriver. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Combien? Tac, parfait. Voilà. Bon, on se quitte ici sur ces problèmes de trafic et de livraison de machines-outils. Et je vous dis à demain pour la suite de ce let's play.